Alors, ce qu'il a de particulier, hein, cet internat, c'est que finalement, il peut accueillir donc tous les élèves donc de la Guadeloupe. On a des élèves effectivement qui nous viennent aussi des îles du Sud, particulièrement Marie-Galante. Et puis cet internat qui est donc sous la côte, sous le vent, bénéficie d'une très belle vue, d'une belle biodiversité et surtout la vue sur la mer, donc de la côte sous le vent. On a des internes autant sur le site de Pointe-Noire que sur le site de Bouillante. Donc il y a tout d'abord un travail logistique à faire pour pouvoir mettre en place le transport donc, des élèves qui nous viennent de Bouillante particulièrement. Et donc la semaine type à l'internat, c'est donc en ce moment l'arrivée donc le dimanche soir. Ensuite, les internes donc, sont pris en charge tout au long de la semaine jusqu'au vendredi, fin de semaine, donc, où ils vont regagner leur domicile après les cours. Bah, pour moi, choisir l'internat, c'est au niveau de l'école. J'ai choisi cette école et j'habite loin, donc j'ai dû utiliser l'internat. Enfin, j'ai dû avoir remis de l'internat au niveau pour ne pas avoir fait le trajet tous les jours. Nous avons un bâtiment donc, classé, on peut dire HQE, hein, haute qualité environnementale, qui nous permet d'avoir une bonne ventilation, respecter donc, les normes donc, en termes d'environnement. Donc, nous avons trois niveaux, donc trois étages, rez-de-chaussée, premier et deuxième, qui nous permettent effectivement de pouvoir mettre autant les filles que les garçons dans des étages distincts et donc accueillir une bonne capacité de 45 internes. Alors les avantages pour un lycéen à l'internat, surtout s'il habite de assez loin, c'est déjà réduire le temps donc, du trajet qui peut être considérable et puis avoir tout simplement un espace de travail mais aussi donc, de détente et un accompagnement des assistants d'éducation qui leur permettent au quotidien de réaliser donc, les leçons et les devoirs qui sont demandés par les enseignants. L'internat, c'est comme une deuxième vie ou une deuxième maison.